Bonjour à tous, nous sommes la troupe du Baobab et aujourd'hui nous allons vous représenter la pièce Le roi du cache-cache avec Léon le caméléon. À l'histoire, nous avons Charlotte. Aux insectes, nous avons Solène. Et au caméléon, nous avons Tanguy. Bonne représentation à vous! Daphné et Timothée, les scarabées, survolent la grande forêt de Madagascar. Des arbres gigantesques, des animaux rigolos et des fleurs magnifiques. De tout là-haut, Daphné voit tout. Mais aujourd'hui, au loin, quelque chose l'intrigue. Une forme verte se déplace, puis en un éclair, elle disparaît. Les scarabées ralentissent leur vol et s'approchent doucement d'une branche feuillue. « Je suis certaine que quelqu'un est là. Qui es-tu ?» demande Daphné. Personne ne répond. Les branches s'écartent et hop ! Waouh ! Comme par magie apparaît Léon le caméléon. Tout timide, Léon ne bouge pas, mais il fait tourner ses yeux dans tous les sens. « Arrête ! Tu nous donnes le vertige !» lui disent les scarabées en tournoyant dans les airs. « Que fais-tu derrière ces feuilles ?» demande Daphné. « Je me cache !» lui dit Léon. « C'est pas une bonne cachette, hein !» répond Timothée. « Tu es vert comme les feuilles, mais nous t'avons vu bouger. Dis, c'est vrai que tu peux changer de couleur ?»« Oui, mais je me sens bien en vert !» lui dit Léon, un peu grognon. « Allez, montre-nous tes couleurs !» lui crie Daphné. « Ah ça, non ! Je ne suis pas une marionnette, sa perlipopette !» dit Léon de plus en plus énervé. En un éclair, il passe du vert au rouge, jaune, vert, violet. « Oh non ! Je n'ai pas su maîtriser mes émotions, me voilà colorée de la tête aux pieds !» « C'est vraiment magique, hein ?» dit Timothée. « Attends, j'appelle mes copains papillons. »« Marion, Salomon, regardez les amis. Léon a de jolies couleurs, tout comme vous. »« Oui, mais Léon, lui, il nous fait un spectacle de magie. »« Il change de couleur comme il en a envie, » répond Daphné. « Lorsqu'il est vert, il disparaît derrière les feuilles. »« Mais il peut aussi devenir rouge, jaune, vert, violet. » « Mais au fait, pourquoi te caches-tu ainsi ?» demande Marion. « C'est pour mieux manger les scarabées !» lui répond Léon d'un air malin. À toute vitesse, la langue de Léon se déroule et hop ! Daphné est collée. « Oh non !» se disent les papillons en se cachant derrière les fleurs. « Je t'ai bien eu !» rigole Léon. En reposant doucement Daphné. Ouf ! Heureusement, Daphné est saine et sauve ! S'exclament les papillons rassurés. Vous êtes mes amis maintenant, alors je vous laisse repartir tranquillement. Continuez votre vol à la découverte des autres curiosités de notre belle forêt. C'est la fin, merci beaucoup ! On attend les vidéos de vos spectacles. À bientôt !